Ah, t'es belle. C'est incroyable. Elle me regarde. Elle est où? Elle est là-bas. Vas-y, zoom. Le vlog est terminé, mis en ligne, enfin programmé pour 18h. Donc maintenant c'est détente. Oui. On va aller à Concarneau prendre un goûter et après on va aller voir Vice Versa. Voilà, on aime bien les dimanches détente. C'est bien aussi. Détente. Ah, c'est pour le vlog de la semaine prochaine. Bah oui. Ah ouais. Pourquoi? Donc on finit le vlog et on recommence le vlog. Bah oui, toujours. Le but, c'est comme ça depuis 39 semaines. Aïe aïe aïe, 39. Bah oui. Ça va être 40 du coup la semaine prochaine. Ouais. Incroyable. Bah oui. Ciao. D'ailleurs, on n'avait pas montré, mais voilà en gros le matériel. Coucou Belkette. Après concert humide, parce qu'on a fait l'erreur une fois. Un jour, on avait fait un concert où il n'avait pas plu, mais il faisait extrêmement humide. On avait rangé le matériel, fermé les caisses, et quand on l'a réouvert, tout était trempé. Le matériel électronique buguait de ouf. Du coup, maintenant, on fait plus l'erreur, on laisse tout sécher, on a même fait un feu. Et comme ça, ce sera nickel pour le prochain live. Petit tour du jardin. Comme ça fait un moment, on a planté quelques coquelicots et quelques marguerites. Donc pour l'instant, ça fait juste des petites pousses. Oui, tu nous suis partout, t'es belle. Je crois qu'il y a un moment où il faut un peu éclaircir, donc on verra. On a planté de l'herbe aussi, parce que toute cette partie-là, on a envie que ce soit de l'herbe, vu que les graviers de manière ne tiennent pas en place. Et d'ailleurs, on voit que ça pousse. Sinon, on a quelques petites framboises qui poussent, les clématites, les taupes qui sont de retour. Et on va regarder ce que ça donne par ici. J'ai arrosé qu'une fois, donc je pense qu'il faut quand même que j'arrose. Mais ça pousse, hein. Tranquillement, mais sûrement. On verra ce que ça donne. Il fait pas assez chaud, ça manque de soleil, clairement. Qu'est-ce que tu fais? Tu danses? C'est bien. Tu m'aides à arroser? Hein? Tu m'aides à arroser? Il y a pas mal d'artistes qui nous demandent si on a des accaps disponibles pour faire des productions dessus et après pouvoir les partager sur les différentes plateformes de streaming. Donc on n'en avait pas trop jusqu'ici et on a été contacté par un site qui s'appelle Vocal. On en a déjà parlé, mais du coup sur le site on a mis plein d'accaps de plein de chansons, soit qu'on n'a jamais sorti, soit qu'on avait sorti mais les morceaux avaient rien fait du tout. Du coup on a vu avec les labels pour pouvoir récupérer les voix, donc il n'y a pas eu de problème. Donc ça c'est chouette. Et du coup aujourd'hui je vais faire la promo de ces accaps là, donc je vais faire une vidéo par chanson et après je partagerai ça sur les réseaux. Je peux vraiment sentir plus joli aussi. Ok. C'est mieux. Ça devrait être bon. J'ai fait deux vidéos. Je sais pas si je vais en faire une troisième aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie tout simplement d'avoir la même coiffure, même maquillage, même tenue sur toutes les vidéos. Donc généralement, je les fais quand même à quelques jours d'intervalle. Mais dans tous les cas, il faut qu'on fasse aujourd'hui les versions acoustiques de Strangers et Gimme More qui sont sorties. Et on n'a pas fait les acoustiques. Donc lui a fait les guitares. Donc je verrai qui mes voix. Là, il est en train de tondre la pelouse. Il fait beaucoup trop chaud moi pour que j'aille dehors, là j'ai vraiment du mal avec la chaleur donc je peux pas. Mais quand il aura fini, on fera les vidéos acoustiques. Et voilà, on va rec. Par contre je sens que je suis un peu prise du nez, donc pour des petites acoustiques comme ça, bon, c'est pas grave parce que ça s'entendra pas trop, mais heureusement que j'ai rien à enregistrer, heureusement qu'il n'y a pas de concert là tout de suite. Je sais pas ce que j'ai, ça sent grandement l'allergie, mais c'est un peu relou. Ou alors c'est les changements de température, genre on est passé de 12 à 26 en deux jours. Donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas. We can get down like there's no one around. They keep on rocking. Every time they turn the lights down. Just wanna go that extra mile for your public display of affection. And rise a flash and while we're dirty dance and they keep watching. Ça paraît pas mal cette histoire. Ok, je crois que je vais juste garder cette prise, elle est sympa. J'aime bien.
Et c'est parti pour Strangers. Normalement, je connais les paroles, mais j'ai un petit doute. Ça fait longtemps. I swear they sound the same. It's like they know my skin. Every word they say sounds just like him. And it goes like this. C'est dur à cette vitesse, mon dieu. Avec Nitona, on est en train de préparer un EP pour la fin de l'année. C'est surtout des solos, mais il y a un morceau qui va être en collab et c'est Call On You qu'on va faire avec Poilo. Et quand on a créé ce morceau, les accords n'étaient pas tout à fait les mêmes et on a fait des changements dans la prod qui fait qu'il y a des petits trucs qui collent pas de ouf d'un point de vue sonorité. Il y a des dissonances un peu qu'on aime ou qu'on aime pas, mais qui sont un peu spéciales. Donc, je voulais essayer une note un peu plus simple à un endroit qui dissonnait vraiment pas mal. Et aussi une petite phrase, je sais pas si Louis en a besoin, mais quitte à être là, autant la faire. Parce que lui, dans sa version, il y avait un endroit où il y avait une petite phrase parlée, c'est ça. Du coup, il fallait faire une phrase parlée à cet endroit-là. Je sais pas si Poilo a gardé ça dans sa prod. Mais dans tous les cas, je vais la faire parce que ça va pas me prendre plus de temps. Donc, tant que tout est en place, autant le faire maintenant. Bye, baby, if I do. Ok, bon, je l'ai, on verra. Et l'autre, c'était... By that time I realize... I realize. Faut que je passe en ma tête avant, sinon c'est bâtard. By that time I realize. Ouais, là on va écouter ça. Ok, ça me paraît pas mal. Ça c'est fait. On va couper les cheveux. Regarde là en train de bronzer. Enfin, du coup, non, puisqu'on rentre. Du coup, non, parce qu'elle rentre, du coup, elle rentre. C'est évident. Aucune personnalité, ce genre. Et ta personnalité? C'est me. T'as une personnalité? Allez, viens. Donne-lui un peu de croquette, dans du lula pâté. Coucou. 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 Beau. Ouais, j'étais pas loin en vrai. Ça, c'est Laurel. Ouais, ouais, c'est Laurel. Ah ouais, t'étais pas loin de... Ouais, j'étais pas loin. De choper le point, mais c'est moi. Il part super loin, hein. Tu vois, je t'avais dit, c'est le cochonnet qui décide où il va aller. Je sais même pas où il est. Ah si, d'accord, j'ai vu. Eh, hey, t'es pas mal, hein. Ouais. Ah, mais attends, c'est pas flag, hein. C'est quand même Thomas, je crois. Bah oui, c'est Thomas. Ouais, mais c'est pas flagrant. Ah si, quand même. Bah non. C'est Thomas, mais c'est pas... Ah, mais non, c'est moins flagrant que ce que je pensais. Bah oui, bah oui. On va pas le petit maître de professionnel. C'est à moi. Ah, c'est tout là. Je l'ai. C'est pas vrai. Qui l'eût cru? Allez. J'ai chopé le point. Là, là, là. Ah là. C'est parti. Ah oui. Oh la vache. Oh mon dieu. Cette remontada. Mon dieu. Ça, c'est ce que tu voulais faire? Ouais. On sent le niveau, hein. Oh, il m'a éclaté. Ces jours-ci, j'ai pas mal de trucs à enregistrer, des reprises comme des compos. Il y a Kieran qui m'a envoyé les paroles de deux chansons que je lui ai envoyées, les deux d'un coup. Du coup, j'ai les deux à faire. Et il faut que je lui envoie encore une autre pour le morceau que j'avais fait pour D'Amico et Valax. Je pensais lui avoir envoyé, mais pas du tout. Du coup, il faut que je lui envoie. Et là, je vais faire Lana Del Rey, parce qu'Anthony Kyrus voulait la sortir, mais vite. Et du coup, il faut que je l'enregistre vite, donc je vais faire ça. Mais ça devrait aller, normalement, Lana Del Rey, c'est plutôt dans ce qui est assez simple pour moi, niveau technique, donc c'est cool, ça devrait aller. Parole, young and beautiful. Alors, c'est quoi? I've seen the world, done it all, had my cake now. Ok, on va essayer, hein. I've seen the world, done it all, had my cake now. Had summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. Bon, c'est pas mal, je pense. On fait le refrain. You still love me when I'm no longer young and beautiful, beautiful. Ok. Je pense que vous me plantez quand même. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Ok. L'attention, c'était pas ça, mais j'ai pas fait d'erreur. Donc ça, déjà, c'est cool. Qui me parle? J'ai pas envie de ding-ding quand je chante. Comment on dit? «
Will you still love me when I got nothing but my aching soul? Will you still love me when I'm no longer beautiful? Ok, là c'était pas mal. C'est cool, on continue comme ça. When I'm not young and beautiful. Pas convaincu. Will you still love me when I'm not young and beautiful? Mieux. Finito. Alors, on va écouter tout ça. On va enregistrer d'abord, parce qu'on n'a pas dit enregistrer. Young and beautiful. Had my gig now. Diamonds really is. T'es prêt? Ouais, tu veux faire celle-là? Tu veux, autant que tu l'as en tête. T'es prête? Oui. Ça filme toujours. Ça filme toujours. C'est bon? Oui. Ok. Voilà. C'est bon? Mm-hmm. Alors c'est bon. On va faire une vidéo en studio. Ouais. Là c'est plus pour un coup. La 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 la. Tu cavales. Là non. Mon bébé. Je t'aime. Donc les petits acoustiques, c'est fait. Maintenant il faut faire la vidéo pour Free Freedom Dom pour dire qu'on a bossé sur le remix de Papillon. Voilà. Mais ça c'est toi qui fais. Moi je veux manger des framboises, ça me paraît être un bon programme. Mais il faut que tu sois dedans, c'est bien. Hein. Pourquoi? Tu veux pas être genre dedans et faire genre... S'il fait ça. J'ai exactement ta relation. En fait, faudrait que tu filmes le studio pour que ce soit beau, en fait. Vas-y, concentration. Je mords mes lèvres. Oui. C'est nul. Aujourd'hui il fait beau. Du coup, avant toute chose, on va aller à la plage pour voir s'il y a des crêpes. J'espère qu'on n'est pas trop tard. Oui. Peut-être manger une crêpe. Puis après, on a un peu de travail quand même. J'ai des vidéos à faire. Mais toi, il faut que tu fasses la guitare de I Like The Way You Kiss Me, tu l'enregistres. Et puis, il faut que j'enregistre aujourd'hui Boilo et Trafic. Boilo, Saxman. Ah, mais c'est les bouchons. Pour les bouchons. Merde. Bah, un samedi, Fouenant, quoi. Samedi d'été, Fouenant. Début d'après. C'est évident. Y aura-t-il une crêpe? La suite au prochain épisode. Du coup, les crêpes ne servaient pas entre 13h et j'imagine un truc comme 18h30, 19h. Donc, on n'a pas pu manger de crêpes. Mais on était à Bénodet se manger un petit sandwich. Loulou a trouvé un maillot et là, on est de retour à la maison. Il fait méga beau et du coup, j'ai pas vraiment envie de m'enfermer dans le studio pour enregistrer. Donc, je pense que ce que je vais faire déjà, c'est faire le vlog. Parce qu'on n'a pas du tout fait cette semaine sur la terrasse, histoire de profiter un peu quand même du dehors. Après, je pense que je vais faire mes publications en même temps et je m'enfermerai dans la maison quand il fera pas beau parce que là, j'ai vraiment pas envie de le faire tout de suite. Donc voilà, c'est parti. On est allé faire les soldes et j'ai trouvé la taille parfaite de shorts parce que mes shorts étaient toujours trop courts et j'aimais pas. Et celui-là, niveau longueur, et ben je le trouve nickel. Je suis contente. Voilà, on est content pour pas grand chose, c'est bien. Allez, on va arroser. Et là, moi, j'ai le tournesol qui pousse.
lentement mais sûrement. Je me suis dit que je l'allais mettre, mais sauf qu'en fait ça met vachement trop de temps à pousser pour dire aux abeilles c'est par là qu'on vient butiner. Mais bon, du coup on n'y est pas encore. Mais là il faut que j'arrose tout ça. Donc on est parti. T'as une tête ensoleillée. On aurait dit le mec d'Empire of the Sun. Je suis une lampeur de soleil. Regarde, recule. Recule, 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 recule. Encore, encore. Stop. Voilà. On va faire une capture d'écran et tu verras. Empire of the Sun. Bah c'est parti. 3, 2, 1. Ça part. Maintenant. Prends ton nouveau short. Il est beau ? Donovan, avec qui on bosse régulièrement, nous a envoyé des prods lo-fi et il cherche des top lines sur ses prods. J'ai pas mal d'idées et il faut que je mette un peu ça au clair. Là, ce qui est casse-pied, c'est que Donovan, bien sûr, il a mis toutes ses prods sur SoundCloud, mais on peut pas les télécharger. Donc j'ai refait les accords vite fait sur Logic. On va mettre un petit synthé joli qui fait très lo-fi. Ouais. Faut que je check ma mélo. Ok, c'est parti pour Rec les idées. Première idée. Things I wanna say, I don't wanna play. Donc c'était quoi ma deuxième idée? Oh! Oh oh bébé, le nouveau short. Maman, elle va gueuler si tu mets tes griffes là-dedans. Donc, je reste là. Cette fois-ci, j'ai l'instru de Donovan. Donc, c'est cool, j'ai pas besoin de refaire les accords. J'ai juste à prendre sa prod et faire une voix. Wake up, wake up around. Everybody shake up, shake up. You'll never want you fall in love. Voilà en gros les idées que j'ai eues. Pourquoi j'arrive plus à couper rien du tout là? Ok. Les deux idées en fait que je trouve vraiment cool, après j'en ai eu d'autres mais je trouve qu'elles sont moins fortes. Donc autant se concentrer sur celle-là. Il y avait celle-là. Et l'autre. J'ai envie aussi de renouveler un peu les musiques qu'on met sur le vlog. Comme on avait fait la dernière fois, en fait, pour trouver les petites guitares et tout ça, je vais aller dans des vieilles idées qu'on n'a pas utilisées. Je vais aller fouiner un peu et des fois, je retrouve des trucs qui sont plutôt cool. Là, par exemple, en 2018, qu'est-ce qu'on a pu faire qui pourrait avoir du sens dans le vlog? Des fois, ça colle pas du tout, mais on va voir ça. Ouais, non, clairement pas ça. Pas le mood, recherché. Il y a plein de trucs, on sait pas ce que c'est. Il y a un truc qui s'appelle Poète Poète, il y a un truc qui s'appelle Boli. On va aller voir ce que c'est Boli. J'aime bien le mood, mais c'est un peu dark. Bon, je vais arrêter de filmer et quand j'ai des trucs cool, je vous dis. Et voilà, j'ai trouvé 15 idées. J'ai été fouiné un peu dans tous nos morceaux et j'ai fait des petits bouts d'instru, de plein de choses qu'on n'a pas sorties. Ça fait un peu de nostalgie pour nous du coup dans les vlogs. Puis en même temps, on partage aussi avec vous plein de choses musicales qui sont jamais sorties. Ça va être chouette. J'ai mis de côté plein d'idées. Ouais. Je peux te les envoyer sur ton ordi? Bah ouais. C'est des idées de musique pour le vlog. J'ai été fouiné en fait dans plein de choses qu'on avait faites, tu vois. Et j'ai pris des petits bouts d'instru, des petits bouts de machin. Je me suis dit que ça serait rigolo de partager aux gens plein de choses qu'on a faites, tu vois, et qui sont jamais sorties. Et il faudra les renommer parce que pour l'instant ça s'appelle vlog 1, vlog 2, vlog 3. Pour s'y repérer, tu sais, il faudra les renommer en fonction du mood et tout, quoi. Mm-hmm. T'envoies ça? Envoie en cours.
C'est envoyé. Mais je pense qu'il faudra que je les renomme en termes de mood. Oui, je pense que si tu regardes la vidéo, juste avant j'ai filmé, je te dis exactement ça. Oui, ah, mais je savais pas que c'était en termes de mood que tu disais. Si, je t'ai dit même mood. Pour s'y repérer, tu sais, il faudra les renommer en fonction du mood et tout, quoi. Tu vois, elles vont coller bien sur le vlog, ça. Je me souviens pas du tout de ça. Non plus, mais bon. Je pense que ça colle dans le vlog. Carrément. Ça va bien. Ça, c'est un truc quand on sera fatigué, tu sais. Je pense. Travail nocturne. On a faim. Hein ? On va manger ? J'ai faim, oui. Le pot qui brûle.